Salut à tous, ici Sir Madness pour un petit match de Blood Bowl 2. Voilà, on est avec la team KO et la team AK pour la dernière manche de cette petite finale de Mad Teams Tournament, donc le MTT qui se joue. Alors c'est le tournoi par équipe organisé par la Mad Academy. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, qui seraient tombés là-dessus par hasard, eh bien écoutez... Voilà, la Mad Academy organise un tournoi par équipe interne avec quelques invités venus d'autres ligues. Et voilà, donc là on arrive donc pour le match de la troisième place. Avant bien entendu la grande finale. Alors Monsieur Goblina lance le toss. Bien, alors on va avoir pour ce match, pour cette dernière manche, l'équipe de Doom, donc les Smell and Decay, contre Cadet Tank avec Adeptus Arrot. Voilà, on va afficher les compétences gagnées par les équipes durant la compétition. Donc on a du côté de Doom deux tacleurs, un bloqueur, une châtaigne. Ici c'est quoi ? Si vous voulez bien m'afficher ces deux têtes, puis un bras supplémentaire. Voilà, donc on a un porteur de balles là, tout désigné. Du côté de Cadet Tank, on va avoir donc un plus 1 d'agilité, on va avoir deux bloqueurs dont un frénétique. On va avoir un kicker et puis un petit solitaire également. Voilà, recruté juste à l'entrée du stade. Et les Adeptus là qui gagnent une relance, ils vont s'offrir également pour ce match ce petit champion. Alors, je ne vois pas son nom, c'est écrit dans le blanc sur jaune. Les mecs, c'est pas terrible. Alors, on va le tenter, c'est l'autre grip, quelque chose comme ça. Voilà donc, et que possède ce champion? Tentacule, costaud. Dextérité, passe. Et combien d'agilité s'il vous plaît? 3. Ok. Bon, c'est un lanceur visiblement. Ok, là c'est parti tout de suite. Alors on va se mettre du côté de Cadet Tank pour suivre son attaque. Voilà, merci la régie. Et puis donc on arrive donc sur le premier tour de défense de Doom. Alors les deux équipes hein, se sont affrontées lors de la phase de groupe et a priori Cadet Tank avait une revanche à prendre sur Doom. Donc voilà, il aurait fallu attendre la fin des deux mois de compétition pour avoir cette revanche et la voici. Donc méfiance hein, ici c'est assez léger, ça pourrait vite poser problème. Soit au choix, hein, soit vous blindez, enfin avec au moins deux personnes, soit vous le laissez grouper avec l'autre. Vous n'avez pas besoin de bloquer le couloir étant donné la vitesse des joueurs adverses. Donc vaut mieux rester groupé là avec les potes et. Mais peut-être que le passeur fait peur un peu à Doom. Pour autant, le plus 1 d'agilité est ici, donc il n'y a pas vraiment de receveur. Voilà, hop, balle ramassée, alors avec la dextérité. Hein. C'est dommage, les tentacules sont vraiment très classe, mais alors la petite animation entre le mouvement et l'arrêt a pas été très soignée et du coup ça nous téléporte les tentacules, mais sinon le reste est très très bien. Et voilà un petit crâne, la relance. Et on va réussir à coucher
ce guerrier de Nurgle. Donc à noter hein, que les deux équipes jouent en tier 3. Et le tier 3 est composé là pour leurs équipes de 100% pourri avec un seul guerrier de Nurgle. Voilà, pas d'autres guerriers, pas de bêtes de Nurgle. Et donc voilà un des rosters custom pour ce tier 3. Et Doom qui continue d'essayer de contenir un peu cette avancée de Cadet Tank. Et qui va coller tous les blitzés là, tous les bloqués. Et prévoir une petite échappée. Une échappée de son adversaire évidemment. Pour le coup, ça coûtait pas grand chose, mais il aurait pu le mettre sur la ligne du milieu pour potentiellement voilà, gagner une case de ce côté également. Le Cadet Tank qui continue à essayer de faire un trou là dans la muraille des pourris d'orgolotes. Essaye d'avancer le ballon hein, le plus possible. Évidemment, les pourris ne sont pas très rapides, alors lui particulièrement l'est un peu plus, mais bon, pas beaucoup plus non plus. Alors la question, c'est pourquoi ne pas avoir blitzé avec le frénétique et blocage et envoyer lui en soutien ici ensuite. Ça paraissait quand même bien plus prudent, et vous aviez un bloc de plus avec blocage pour faire tomber ce joueur. C'est peut-être le deuxième sonné du match. Et les armures qui pour l'instant tiennent bien des deux côtés. Et voilà, c'est un turnover. Donc Cadet Tank qui va pouvoir reprendre la main sur le jeu là. Tant qu'ici on a la moitié de l'équipe de Doom qui est aux fraises. Donc là il suffit de courir. Enfin il suffit de courir, il faut quand même faire un petit passage, mais il y a un surnombre. Le joueur est KO. Donc là, le porteur de balle est pas mal protégé. Il va falloir rapatrier une défense de toute urgence. Hein. Et sans trop négliger voilà, le milieu de terrain.
Mais alors évidemment, avec le turnover, Doom a pris du retard sur la défense. Qui ne passe pas. Alors ici il y avait un joueur au sol à relever. La cadette tank qui continue d'avancer là, tout se passe relativement bien. Avec le plus 1 d'agilité là qui nous fait une esquive. On continue de protéger le porteur de balle le long de la touche. Qui va coller, qui va essayer de blitzer même. Qui prend son temps. Pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment du bash entre pourris, on avance quelques cases à chaque fois, on essaie de gagner beaucoup de temps, parce que là évidemment il aurait pu depuis un certain temps déjà partir en avant. Une relance pas nécessaire, hein. Si nécessaire puisque aucun joueur n'est relevé. Hop. Plus grand chose à faire pour Cadet Tank, il s'agit de virer ce joueur là. Et puis pourquoi pas aller apporter un soutien avec celui-ci. Donc, pas de soutien avec le plus indagé. Cadet Tank qui va encore prendre un tour et essayer de sortir un pourri là. Hop, voilà, ce sera un KO. Cadet
Tank qui assure, hein. Il va très très lentement, mais rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pourquoi ne pas avoir blitzé celui-ci, même s'il a blocage. Même un pu, je pouvais faire l'affaire pour aller se placer peut-être un peu mieux. Ou aller se placer dans une zone de tacle, qui sait. Bien, et là c'est donc Cadet Tank qui ouvre le score. Donc Loot Grip, bien. Qui vient marquer son touchdown. Et donc voilà, les AK qui prennent l'avantage là. Donc à noter hein, que le match entre KO et AK se joue sur 3 manches. Et donc là nous assistons à la troisième manche. Et les AK ont déjà un avantage de une manche remportée 2-1. Puis il y a eu un match nul lors de la deuxième. Et donc il faut pour les KO, eh bien, au moins gagner 2-1 pour obtenir le match nul et donc un quatrième match qui viendrait départager les deux équipes, ou une victoire avec deux touchdowns d'avance pour remporter cette confrontation. Autant dire que là c'est bien mal parti. Un nouveau coup d'envoi, la météo ne changera pas. Donc là, dernier tour, hein, il faut bâcher. Et si vous voulez bien en régie nous enlever la météo, merci. Voilà. Évidemment, hein, y a les sponsors qui insistent pour les petits pop-up de météo et compagnie. Y a de l'argent en jeu, beaucoup. Donc Doom qui va essayer de réduire un peu le nombre de joueurs adverses. Et voilà, ça passe, un petit KO. Avec la châtaigne hein, quand même. Il aurait peut-être pu garder ce dernier joueur pour faire une agression. Bien, ce sera la mi-temps donc sur ce score de 0-1 pour Cadet Tank et les Adeptus Aroth. Les fosses, hein, c'est pas extraordinaire. Une blessure, un KO, bon. Essayez, on est reparti avec la météo en régie. Thank you.
Voilà, qu'il y a des tanks qui se placent en défense. Alors on va se mettre du côté de Doom là pour suivre son attaque. C'est un blitz incroyable, bien. Donc voilà les adeptus hein, qui sont bien motivés là. Un blitz avec une balle qui tombe au bon endroit. Alors évidemment les adeptus ont un kicker. Ici une première relance là qui tombe pour pas grand chose au final. Faudrait voir qu'elle ne vienne pas à manquer en fin de match. Et voilà enfin le blitz. Récupérer immédiatement. Doom qui va chercher à virer la loss histoire de démarquer des joueurs un peu. Qu'il est démarqué, faut l'envoyer. Il va blitzer avec. Pourquoi pas? Ici, le blitz aurait pu être pas mal hein, pour poursuivre et pourquoi pas s'en aller. Oh là là, c'est une blessure, enfin, une double blessure même, via la décomposition. Quand on vous dit hein, de ne pas prendre de Sœur Madness dans vos équipes, voilà, les joueurs finissent KO et blessés, et dans ce cas-là, même décédés. Et là, pour le coup, Doom ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais du coup, il va pouvoir reprendre la main, mais alors avec un peu moins de joueurs. Là, il y a eu chute démographique chez les pourris. Être intéressant de se placer là immédiatement. Voilà, surtout si c'était pour libérer lui ensuite, qui aurait pu venir par ici. Doom hein, qui cherche la baston, mais visiblement la baston ne va pas dans son sens, donc.
Mais d'un autre côté, Cadet Tank n'a pas grand chose à faire, hein. Il suffit de pour lui conserver le ballon. Parce qu'à 1-0, il est large. Il faudrait que Doom marque deux fois pour au moins obtenir le match nul. Et trois fois pour obtenir la victoire. Alors vous voyez, le temps s'écoule et c'est déjà bien compliqué. Qui recolle une nouvelle fois là. Et qui va réussir à coucher un joueur enfin. Toujours, ça ne craque que d'un côté là. Bon, il n'y a pas eu, énormément non plus de blessures, mais c'est sûr que s'il n'y a pas un KO en face, bien la différence se fait sentir. Cadet Tank qui s'est mis bien là. Pas grand chose à faire hein, pour Doom, il faut vraiment se regrouper, ça c'est fait. Et puis trouver la faille. Alors voilà, un sonnet c'est déjà pas mal. Cadet Tank qui fait tomber la plus grosse menace là. Bataille de guerriers de Nurgle au milieu. Le crâne finit par tomber.
ici, il y a moyen de faire un trou immédiatement en relevant lui, en apportant ce petit joueur-là pour blitzer. Et finalement, il décide de blitzer un dé avec le frénétique. Bon, ça passe. Évidemment, là, le porteur de balle hein, qui va courir. Car si déjà à 1-0, les carottes sont pas mal cuites, à 2-0, c'est complètement cramé. Enfin, d'autant qu'il reste 3 tours, donc 3 tours pour marquer 3 touchdowns. Évidemment, c'est pas assez. Enfin, pas avec des pourris, en tout cas. On suit ce ballon hein, renvoyé par le public de tribune en tribune. Voilà. Encore une petite fois, non. Non, on va s'arrêter ici. Et voilà, Doom qui va aller se jeter sur le ballon là. La question, hein, pourquoi ne pas être resté bien à l'abri alors qu'il avait fait son muret et que le joueur ici était sonné. Peut-être un peu de précipitation ou... Bon, en même temps, comme on vient de dire, hein, ça ne changera pas grand chose même s'il y avait match nul. Ça ne changerait plus rien. Cadet Tank qui va essayer de vider un peu plus l'effectif de Doom. Qui va aller chercher ce ballon. Alors on y va, on le protège, on défend, on en bute. Évidemment, avec le mouvement des pourris, c'est impossible d'aller marquer. Et qu'il y a des tanks qui va lui mettre la pression de son côté. Donc au final, hein, le blitz aura bien posé problème à Doom qui ne l'avait pas vraiment prévu. Et c'est vrai qu'avec le kicker en face, en plus, c'était... C'était bien un des engagements dangereux. Alors voilà, là on pousse un joueur sur la balle. Petit déplacement, mais c'est pas encore ça. Et quoique, le plus un d'agilité qui va se placer là. Dernier tour pour Doom hein, dans cette troisième manche donc de petite finale de MTT. Voilà le dernier tour hein, pour l'honneur. Ah, voilà, petite esquive pour l'honneur également. Et voilà, petit 1 pour l'honneur.
Et voilà, Cadet Tank de Rotenman hein, qui finira KO face à lui-même. Et donc dernier tour pour Cadet Tank. On tente de bâcher hein, pour la forme hein, puisque les équipes ne rejoueront plus. Hop. Et ici on tente la transmission et elle passe. Et voilà, on va en terminer là sur un score de 2 à 0 donc pour Cadet Tank et les Adeptus Arots avec les pourris de Nurgle du tier 3, donc 100% pourri et un guerrier. Donc voilà, c'est ainsi que les AK prennent la troisième place du tournoi finalement, donc après près de 2 mois de compétition, après s'être extirpé d'un groupe très compliqué durant la première phase. Écoutez, les AK ont gravi en tout cas la première marche du podium. Pouvons-nous voir les statistiques? Oh, Smalendeke, 0 possession de balles. Bah écoutez, voilà qui en dit long. Bien, du coup, on va pouvoir. Il n'y a pas grand chose à lire là. Hein. Il n'y a pas grand chose à lire, du coup on va pouvoir passer à la deuxième page. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à lire ici non plus. Et les SPP pour la forme, ici non plus, c'est assez vide, hein. Écoutez. Voilà, de l'autre côté, évidemment, il y a eu plus de points, mais voilà, l'équipe bah, peut-être servira en open, qui sait. Voilà, en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir suivi ce match. Félicitations à AK pour cette troisième place. Et puis désolé pour Doom hein, qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, mais bon, c'était pas assez là. C'était pas assez. Et puis il y a eu malgré tout quelques petits choix qui ont aidé les mauvais jets de dés. Donc voilà. Et donc on se retrouve tout bientôt hein, pour suivre les matchs de la finale. Voilà. Allez, à bientôt, ciao.